Ok, allô, bonjour, bonsoir, je m'excuse. Comment vous allez? Je suppose bien. Ça fait longtemps que vous n'avez plus des astuces venant de la chaîne YouTube Isof Enterprise. Maintenant, j'ai décidé que chaque semaine, il y aura au moins deux ou trois tuto. Et comme grande annonce, nous allons débuter avec un projet. Un projet que vous allez tous choisir de façon unanime. Vous allez écrire les projets en commentaire. Nous allons le faire sous Windows. Oui. Nous allons le faire. Le même projet sera consommé sous Windows mobile. Le même projet sera consommé sur WebDev. Nous aurons les notions basiques pour ceux qui sont débutants, je dirais même, qui ont un niveau moins 1. Nous aborderons aussi pour ceux qui, le niveau de ceux qui sont, je peux dire débutants. Hein? Là, nous parlerons des procédures, des différentes procédures, pourquoi nous utilisons ces procédures, quel est même l'intérêt d'utiliser ces procédures. Maintenant, plus loin, ça c'est, je dirais, un niveau intermédiaire. Nous commencerons déjà un peu à aborder la programmation orientée objet sur toutes ses formes. La base de l'orienté objet. Un peu plus loin, nous aborderons aussi les tâches planifiées, les tâches parallèles au temps pour moi, les traits. Hein. Maintenant, côté base de données client-serveur, nous allons aborder la notion de procédure stockée. Il faut noter ici que ça, nous allons revenir de long en large le moment venu. La procédure stockée, c'est une procédure d'abord non paramétrée qui tourne en boucle côté serveur de base de données. Alors, vous pouvez voir à titre d'exemple, les exemples que nous avons, nous, à la fin de cette série d'applis conçues sous Windows, WebDev et Windows Mobile de A à Z, tout en allant d'abord de l'analyse, de la conception, vous serez en mesure d'avoir des solutions comme celles que j'exécute actuellement. Oui, cette application consomme côté back-end en web service, côté front-end, le client le consomme simplement. Vous aurez cette autre application développée avec Windows. Et la dernière qui a été récemment développée, qui permet l'intégration des API dans les applications Windows. Voilà un peu la grande annonce que je vous fais et que tout le long, sur une bonne période, un néophyte, un débutant, un intermédiaire et même un expert saura comment utiliser, manier, manipuler les fonctions, les outils de PCSoft. À vous revoir bientôt. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater cette série qui s'annonce riche en contenu.